qui se passe? Joe? Il y a des croissants. Moi, je suis le premier. Non, j'ai faim. Doucement, doucement. Ouais, il y a un paquet. Doucement. Chérie, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a une basse là. C'est pour Germaine. Oh, pour moi? Tu la tiens. Oh, qu'est-ce que t'as acheté? Prends ça. Tu sens très tôt, hein? Il y a des amplis, des micros. Ouais. Jackie, Tito, ouais. Dépêchons. Regarde un peu. Faites bien attention. Ben oui, on sait. Emportez-moi tout ça à l'intérieur, hein? Allez, un peu de nerf, vite. Pourquoi les garçons ont tout? Et moi, j'ai même pas de robe. Prends Joseph. Ça. Joseph. Joseph. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Waouh, une batterie! Il faut qu'ils soient prêts. Pour ça, il leur faut du matériel impeccable. Qu'ils soient prêts? Mais pourquoi? Je comprends pas. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent? C'est ce qu'on appelle parier sur l'avenir. Je réunirai tout l'argent que je pourrai. Et je te jure que ça vaut le coup. Je ne te comprends pas du tout. Les chaussures de Jackie sont tellement usées que la semelle est devenue presque transparente. J'essaie de les habiller à l'armée du salut. Le toit a des fuites partout. Le chauffe-eau ne marche plus. Moi, je fais tout ce que je peux pour que vous ayez une vie décente dans cette maison. Ils vont participer à un concours. Je pense à leur avenir. Tu parles d'un stupide radio-crochet. Et c'est pour ça que tu les prépares. Joseph, tout le monde ici a des enfants qui savent chanter. Tu comprends? Tous les enfants du coin peuvent former un groupe. On est comme des sardines dans cette maison. S'il faut qu'on ait des dettes, pourquoi ne pas se faire installer une chambre de plus? Mais, Cathy, Cathy, on investit sur les instruments. Aujourd'hui et plus tard, on aura tout ce qu'on voudra. Je peux t'assurer qu'ils ont tout pour réussir. Je mets le petit gars de l'immeuble en face à la batterie, et le petit Randy, je le mets au synthé. Et ça va faire un groupe professionnel. Joseph, attends, écoute-moi. On est au plus bas. Plus bas que tu ne crois. J'ai envie de tout laisser tomber. Sugar pie, honey bunch, you know that I love you. I can't help myself, I love you and nobody else. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Marlon, regarde, regarde. Ce n'est pas comme ça que fait Joe et Tex. Voilà comment il fait. Il prend le micro d'une main et puis il le jette de l'autre. Et puis il recommence de l'autre côté. Michael, montre-lui. Vous avez besoin de concentration. Vous voulez tous participer à ce concours? Alors faites vos preuves devant moi. Je ne veux pas avoir les ridicules, vous comprenez? Allez, on y retourne encore une fois. Ooh, sugar pie, honey bunch, you know that I love you. I can't help myself, I love you and nobody else. Non, 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 non. Marlon, Marlon, s'il te plaît, t'es encore en retard. Ah, mais j'essayais. Mais oui, il chantait pas dans le ton et résultat, il fiche tout par terre. Comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose? Tous les enfants du quartier sont meilleurs que vous. Vous ne vous concentrez pas, vous n'écoutez pas. Marlon, dehors. Allez, va chercher la badine. Je faisais ce que je pouvais, c'est juré, j'étais bien. Tu commences à pleurer avant même qu'on te donne des coups. Allez, sois un homme, bon sang, dépêche-toi. C'est moi qui décide ici et je veux que tout le monde soit absolument parfait. Vous avez compris? Les pas comme les notes. Tout doit être parfait. C'est le seul moyen d'arriver à être meilleur que les autres. Le seul!
continue, on continue. Et ça, c'est ça. Attention aux pieds. Attention. Restez bien ensemble. Marlon, reste pas à la traîne. Allez, accroche-toi. Attention, tu marches sur les pieds de Tito. Allez, bien en rythme, bien en rythme. Merci, Madame Jackson. Oui, il faudrait tout mettre dans une panière et puis après on nous donnera les variables. Au revoir et bonne journée. Merci, à bientôt. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ils travaillent tellement qu'ils en arrivent à manger deux fois plus. Le travail n'a jamais tué personne. Oh. Tu crois que Marlon deviendra danseur en travaillant dur? Il ne sera jamais danseur. Il n'a pas le talent. Il chante pas dans le temps et il rate des pas. Je vais l'enlever du groupe. Tu vas... Joseph Walter Jackson. Il y a des tas de choses qu'on voit différemment. Je ne dis rien dans la majorité des cas. Mais cette fois, je vais parler. Je le regarde faire. Il fait tout pour être meilleur que Michael. Il veut toujours le battre à n'importe quel jeu. Tu lui fais un coup pareil, il ne le supportera pas. Et je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas. Tu es trop dur avec Marlon. Tu es trop dur avec tout le monde. Alors je vais te dire ce que j'ai vu. Tu les rends complètement fous. Qu'est-ce que tu veux, Cathy? Tu veux les voir trimer dans une usine toute leur vie, c'est ça? Ou peut-être que tu veux les voir se droguer dans une rue sombre? Ou qu'ils fassent les voyous, c'est ça? Tu sais bien que non, mais je ne veux pas les voir frapper à tout bout de champ. Mais c'est le seul moyen que je connaisse. J'ai été élevé comme ça, par mon père. C'est comme ça qu'on élève les enfants dans ces quartiers. Les enfants doivent être forts, Cathy. C'est le monde dans lequel on vit. Cathy, j'ai eu une espèce de vision. Une vision, je veux pouvoir les sortir de Study. Je vais partir loin de Gary et de ses usines. Je veux qu'il parcourt le monde, chérie. Tu sais, je veux qu'il soit capable de voir leurs rêves se réaliser. Leurs rêves ou les tiens? Pense-y. Tu es mon meilleur ami, Monsieur Laura. Il n'y a que toi qui m'aimes vraiment. En fait, faut qu'on gagne demain après-midi. Joseph dit qu'on doit pouvoir gagner. Il a dit qu'on avait travaillé dur pour ça. Joseph a dit ça, et lui, il s'y connaît.